Salut les amis, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale sur les mods et SimCity 4. On va voir comment modder son jeu SimCity 4 Deluxe. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'un mod ? Alors, c'est des fichiers qui sont non officiels, qui ne sont pas créés par les développeurs du jeu, que l'on rajoute au jeu de base simplement pour élargir son contenu. Dans le cas de SimCity 4, ça peut être par exemple de nouveaux bâtiments, de nouveaux types de routes, ou alors des détails de textures, de panneaux ou des modificateurs de gameplay. Où on les cherche ces mods? Alors il y a deux sites, Simtropolis et SimCity 4 Devotion. D'un côté la communauté d'échange c'est le Stex, de l'autre côté c'est le Lex. Vous tapez ça dans Google, vous allez trouver. L'inscription est gratuite et obligatoire sur les deux sites. Une fois que vous avez téléchargé vos mods sur ces sites-là, qu'est-ce que vous en faites? Alors c'est des archives, donc il faut les dézipper, donc avec WinRAR par exemple. Et une fois que vous avez dézippé les fichiers, vous les placez dans le dossier plugin du dossier SimCity 4 qui est situé lui dans mes documents. Donc mes documents, SimCity 4, plugin. Il y a certains packs qui ont des installateurs intégrés, donc là c'est beaucoup plus simple, il suffit d'exécuter l'installateur pour que cela s'installe. Alors attention cependant, puisqu'il y a certains mods qui ont besoin d'autres mods pour fonctionner. Ces mods-là, on les appelle des dependencies, ces autres mods. Alors, il faut faire très attention, puisque si vous n'installez pas les dependencies d'un mod, eh ben celui-ci ne pourra pas fonctionner correctement. Donc il faut bien faire attention aux instructions données par l'auteur dans les README ou alors quand vous téléchargez le mod. Alors, un mot sur le NAM maintenant. Alors c'est un mod très complexe, mais... indispensable pour SimCity 4, qui rajoute beaucoup de routes, de tramways, de TGV, etc. Je ne pourrais pas vous faire de tuto sur l'installer, parce que moi le mien fonctionne très bien, j'ai pas envie de me relancer dans l'installation, mais il y a un tutoriel texte qui est très bien fait en français, et il y a le lien dans la description, donc n'hésitez pas, moi c'est avec ça que je l'ai installé. Si vous prenez votre temps et vous suivez correctement les étapes, ça va fonctionner impeccable. Alors de mon côté, je vais vous montrer un exemple d'installation de mod en live, mais je voulais avant ça vous donner deux derniers conseils. Alors le premier, c'est de toujours bien faire attention au README des archives et puis aux instructions qui sont données par les auteurs des mods, tout simplement. Ça vous évitera bien des soucis, de voir bien les dependencies, tout ça, avant d'avoir un jeu totalement buggé. Et puis ensuite, de toujours avoir une copie de votre fichier plugin. Vous faites des sauvegardes régulières, comme ça quand vous installez, à chaque fois que vous installez un nouveau mode, en fait, avant vous faites une copie, comme ça vous êtes sûr que s'il y a un problème, c'est le dernier mode que vous installez qui bug et il vous suffira de restaurer votre fichier plugin comme auparavant. Voilà, moi je vous laisse en espérant que cette vidéo vous sera utile et je vous montre tout de suite comment on fait en live. Voilà, donc rien ne vaut l'exemple. Alors je vous montre, là on est sur mon bureau, mon fichier téléchargement, et je veux installer, voilà, ce mode là, Abrogoli Large GLR Avenue Station. Donc ce que je fais, c'est que c'est une archive WinRAR, WinRAR est installé, je clique dessus, le fichier s'ouvre. Je vais extraire le dossier vers mon bureau par exemple, voilà, ok. Ensuite je vais aller chercher le dossier sur le bureau ici. Je coupe. Je vais ensuite chercher mon dossier plugin. Donc vous voyez le chemin ici. Document, SimCity 4, plugin. Donc SimCity 4 se présente comme ça. Mon dossier plugin, il est ici. Là, il y a toute la liste de tous les mods que j'ai installés. Il y en a un bon paquet. Et après, je n'ai qu'à copier le dossier à l'intérieur. Voilà, je colle. Et voilà. Maintenant c'est installé. Alors quand vous avez, là c'est parce que j'ai un dossier donc avec plusieurs choses dedans, là vous avez le README avec les dépendances dont je vous parlais, le NAM et Ninja Boulevard Station. Alors voilà, ça je l'ai pas par exemple, Ninja Boulevard Station, et faudra que je pense à le télécharger, parce que sinon quand je vais vouloir utiliser cet objet, j'aurai une grosse boîte en carton noir qui ne va pas fonctionner. Donc voilà, donc la première chose que je vais faire, j'avais pas lu le README, voilà, je ne suis même pas mes propres conseils, c'est d'aller télécharger cette chose là donc sur le Stex ou sur le Lex, les deux sites que je vous avais conseillé tout à l'heure, Ninja Boulevard Station, et voilà, comme ça marchera. Le NAM, je l'ai déjà, mais voilà. Donc comme ça, vous avez vu à peu près le chemin, vous voyez que c'est très simple à faire, il n'y a aucun souci,
et ça fonctionne après très, très facilement. Donc pareil, là c'est parce que j'avais un dossier, mais sinon tous ces petits fichiers en point date, eh bien c'est pareil, vous le copiez, vous le collez et vous le retrouvez en jeu si vous avez bien installé toutes les dependencies. Voilà, c'est là-dessus que moi je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et puis qu'elle mettra fin surtout à toutes les questions sur les modes, etc., etc. Puisque moi, honnêtement, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Je ne fais pas du service technique pour SimCity 4. C'est pour ça que le NAM, je vous rappelle le tuto de lien dans la description. Moi, je ne ferai absolument pas d'installation, de tutoriel pour installer le NAM, ça c'est absolument hors de question. Voilà, sur ce, je ne voulais pas non plus paraître méchant. Voilà, sur ce, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura utile et moi je vous retrouve la prochaine fois pour du jeu du vrai. À la prochaine, salut.